Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, et pas si longtemps que j'ai posté, ça fait un peu plus d'un mois, j'ai déjà fait des pauses bien plus longues que ça. Mais celle-ci, j'ai du mal à revenir sur les rails, j'ai du mal à reprendre, parce que juste, en fait, il s'est passé tellement de choses dans ce mois que je ne sais pas par où reprendre. Je suis un peu dépassée par ma propre vie en ce moment. Et bah, comme d'habitude, quand j'ai des moments où je déconnecte un peu de YouTube, j'ai besoin de faire une petite vidéo coming back. Et en fait, j'avais prévu de faire des vidéos aujourd'hui, on est vendredi 15 avril. J'avais prévu de reprendre les vidéos cet après-midi et c'est ce que je suis en train de faire. Sauf que ce que j'avais pas prévu, c'est qu'entre-temps, je viens d'avoir une énorme crise de déréalisation. Et du coup, je suis dans un état un petit peu bizarre. Donc j'ai pris des huiles essentielles un peu pour sentir des odeurs qui me réancrent un peu. Je me suis fait. Il est là. Je me suis fait un thé aussi pour la vidéo et je me suis posée ici pour. Mon chat va à la litière à chaque fois que je lance ma caméra. Juste à côté. Du coup, on va l'entendre gratter donc je vais devoir attendre pour continuer. Ah, c'est chaud. Non, c'est trop chaud en fait. Mais on a le temps. Hein. Ah, on a fini. Là, tiens-toi, bonjour. Ok, bon, par contre, on commence par le plus évident, je pense. Peut-être qu'au décor, vous allez remarquer que j'habite plus au même endroit, que j'ai déménagé et pour info, ce n'était absolument pas prévu. C'est pour ça que j'en ai pas du tout parlé sur ma chaîne. Premièrement, j'ai déjà essayé de faire une vidéo pour parler de mon déménagement avant le déménagement et ensuite pendant le déménagement. Et à chaque fois, j'ai pas trop eu le temps de la monter et même quand j'ai eu le temps de la monter, au final, genre, ça allait tellement vite et mon état d'esprit évoluait tellement que j'arrivais pas à en être satisfaite et du coup je l'ai juste pas posté. J'ai besoin de vous expliquer un peu ce qui s'est passé dans ma vie dernièrement et j'ai aussi envie de vous parler un peu de ce que peut représenter psychologiquement un déménagement. Je vais être obligée de mélanger un peu les deux sujets dans cette vidéo parce que comme je l'ai dit, je viens de faire une grosse crise de déréalisation et je sais que c'est très fortement relié au fait d'avoir déménagé récemment. En tout cas, je vous laisse admirer cette magnifique lumière parce que maintenant, c'est celle qui va baigner toutes mes futures vidéos, donc pour ça, je suis très contente. C'est vraiment un appartement qui est magnifique et dans lequel je sens que je vais me sentir très bien. Il faut juste que je prenne mes marques et que je m'ancre un peu dans cette nouvelle vie. Et je sais que ça va prendre un peu de temps. Mais voilà, je voulais vous raconter un peu donc pourquoi j'ai déménagé, pourquoi cette période a été aussi mouvementée. Et puis bah, tout simplement, vous annoncer un peu mon retour et ma reprise de vidéo parce que clairement, je sens que c'est le moment de reprendre. En gros, tout a commencé. Un dimanche fin février, il me semble, j'étais partie, il faisait beau ce dimanche-là. Une fois, mon copain avait un peu de temps libre, donc on a décidé d'aller se promener dans un parc et j'ai proposé un endroit qui était assez inhabituel dans le Brabant flamand autour de Bruxelles. Et donc, il faisait beau, on allait se promener dans un parc et puis en revenant, mon copain a proposé qu'on aille à un endroit où on allait de temps en temps le dimanche avant et ça m'a rendu un peu nostalgique. On n'était pas allé dans ce coin-là depuis 7 ou 8 mois, donc j'ai dit ok. Et il s'est trouvé qu'en face de cet endroit, on a vu des appartements qui étaient, enfin, un appartement avec une pancarte à louer. Et comme on a adoré le quartier et que c'était des apparts tout neufs. Ils étaient en construction la dernière fois qu'on était passé là. On a été très un peu accrochés par cette pancarte et du coup j'ai voulu aller voir le prix de l'appartement et on a eu un coup de cœur instantané et c'est la première fois de ma vie que je tombe sur un appart comme ça par hasard et que c'est le coup de foudre quoi. Donc je me suis dit il nous faut absolument cet appartement. Sauf que le problème c'est que c'était un appartement disponible immédiatement et je n'avais absolument pas prévu de déménager. J'y pensais beaucoup et c'était quelque chose dont je parlais énormément, genre j'arrêtais pas de dire j'ai envie de déménager, j'ai envie de m'éloigner du centre de Bruxelles, j'ai envie de me rapprocher de la nature, j'en peux plus de mon quartier, j'ai envie d'habiter un endroit où je vois des arbres, j'entends les oiseaux chanter, je vois de la verdure parce que j'en peux plus de vivre en ville, c'est pas mon truc en fait. Moi j'aime bien la nature, j'aime bien le calme, j'aime bien être entourée de nature, de champs, de forêts et pas d'immeubles et de rues bruyantes, etc. Je suis juste pas citadine, je crois. Et j'ai commencé à en prendre vraiment conscience, on va dire, grâce à la crise sanitaire. Et ça commençait à me peser de plus en plus. Et donc ça c'était le premier facteur. Et l'autre facteur c'était financier parce qu'en fait j'habitais pas avec mon copain. Et financièrement, devoir assumer mon appart et toutes mes charges perso toute seule, ça commençait à devenir compliqué. Et du coup il y avait ces deux facteurs qui pesaient dans la balance et qui faisaient que je me disais bon je pense que peut-être d'ici un an à peu près je vais envisager d'éménager pour qu'on emménage ensemble avec mon copain. Mais pourquoi dans un an? Parce que en fait genre j'en avais ras-le-bol des déménagements. Genre j'ai connu trop de déménagements ces dernières années. Je crois que j'en ai fait 5 au moins en l'espace de 2 ans et demi. Tout ça pour dire que j'ai énormément déménager et que pour moi c'était genre inconcevable de me retaper encore un déménagement aussitôt, donc je me suis dit allez j'essaie de tenir encore un an, même si financièrement c'est compliqué, même si j'en peux plus d'habiter en ville et que je veux habiter dans la nature, c'était pas une option que j'envisageais tout de suite, sauf que on a eu ce coup de cœur, ça nous est tombé dessus et c'était juste trop beau pour laisser passer ça. Donc on a envoyé un dossier énorme à l'agence, genre on voulait vraiment vraiment avoir cet appartement, je ne m'étais jamais autant investie dans une candidature et du coup on l'a eu. Et en fait ça a été super rapide. Donc on a vu cet appartement le dimanche, on a téléphoné à l'agence le lundi matin, on a visité l'appartement le jeudi, on a envoyé la candidature je crois le soir même et on a eu la réponse le lundi suivant. Donc tout s'est fait en
8 ou 9 jours quoi. Et du coup, à partir de là, donc on était début mars, c'est à peu près la période où j'ai posté la dernière vidéo sur ma chaîne qui heureusement avait été déjà filmée en avance, donc parce que j'aurais jamais pu trouver le temps de tourner une vidéo à ce moment-là, mais j'ai quand même pu au moins poster début mars grâce à ça, sans quoi ça ferait plus d'un mois et demi que j'aurais pas posté. Et après ça, finalement, on a eu la date à laquelle on aurait les clés, donc c'était le 15 mars. Et du coup, il fallait que je trouve un moyen de rendre mon appartement le plus rapidement possible. Et je vais pas trop parler de mon ancien appartement parce que ça m'a un peu traumatisée, ce déménagement. Il était vraiment très difficile. Déjà, il a été très long. J'ai dû payer à peu près 3 semaines de loyer en double loyer, à peu près genre, du 15 mars au 4 avril ou un truc comme ça, avant de trouver quelqu'un pour reprendre mon ancien appart. Donc ça aussi, financièrement, c'était un peu compliqué, mais au moins, j'ai réussi à le faire reprendre en 3 semaines. Donc il a fallu organiser les visites. C'était la première fois que je devais organiser des visites parce que jusque là j'avais toujours pu respecter les préavis etc, mais là c'était pas le cas, donc il a fallu que j'organise les visites moi-même, il a fallu que je fasse tout le ménage de départ, de déménagement etc. Et en fait le problème c'est que mon copain avait énormément de travail, donc il a pas su beaucoup m'aider. J'ai une amie qui a pu m'aider un peu, mais globalement j'ai quasiment tout fait toute seule et c'était énorme parce qu'en fait j'avais aussi beaucoup beaucoup de travail professionnel à côté. C'était clairement le mois de mars, c'était bon. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle fait un truc avec sa patte arrière, comme les lapins, elle a tapé. Je disais, voilà, le mois de mars, clairement, depuis que je suis devenue entrepreneuse, c'était le mois le plus chargé en termes de travail que j'ai eu, et aussi le plus difficile, parce que c'était chargé en termes de nombre de projets, mais aussi parce que les projets en eux-mêmes étaient loin d'être faciles. C'était des projets avec des clients un peu plus exigeants que ce que j'avais connu par le passé, qui avaient des envies, enfin des besoins beaucoup plus spécifiques. C'était des projets que j'avais peut-être pas assez cadrés, et du coup ça m'a servi beaucoup de leçons. J'ai beaucoup appris professionnellement pendant ce mois de mars, mais juste c'est tombé le mois où je devais déménager, et en fait ça a été vraiment un mois où je n'ai fait que travailler, déménager, dormir, travailler, déménager, dormir, travailler, déménager, dormir. Du début du mois de mars jusqu'à là, cette semaine de mi-avril, c'était que ça. Et là, on est le 15 avril et je crois vraiment que le dernier jour vraiment off, le dernier vrai jour de repos que j'ai eu dans ma vie là, bah, je crois que c'était ce fameux dimanche où on est tombé sur l'appartement fin février. Donc ça fait un mois et demi que je m'étais pas du tout reposée. Et clairement, je suis même pas à plaindre parce que mon copain, lui, c'était genre 1000 fois pire. Moi, à la limite, je travaillais la journée, je déménageais le soir. Mais mon copain, en fait, il avait tellement de travail que il devait travailler la nuit pour compenser le déménagement. Et du coup, là, ça fait 2 ou 3 semaines qu'il travaille toutes les nuits jusqu'à hyper tard dans la nuit, genre 3-4 heures du matin. Ça fait 2 semaines qu'il a ce rythme-là. Je ne sais absolument pas comment il tient. Et du coup, c'était très dur pour tous les deux, en fait. Et j'aurais jamais imaginé qu'un déménagement puisse être aussi hardcore, aussi épuisant, aussi éprouvant nerveusement. Et puis là, enfin, quand j'ai rendu mon appart, pour trouver une locataire, ça a été, même si les visites c'est quelque chose que je déteste vraiment faire, ça m'angoisse beaucoup en fait, mais les visites en soi ça a été, j'ai réussi à trouver quelqu'un assez facilement. Par contre, quand j'ai dû rendre mon appart, l'état des lieux ça a été une catastrophe, ils m'ont pris plein d'argent sur ma caution. Ça a été vraiment une expérience hyper dure dont j'ai même pas envie de parler sur cette chaîne. Je veux juste oublier tout ça et aller de l'avant. Mon seul regret c'est que je voulais faire une dernière vidéo dans mon ancien appart pour vous annoncer que j'allais déménager et pour dire voilà, c'est la dernière vidéo dans ce cadre. Et j'en ai une qui fait office de ça, mais je l'ai juste pas postée parce que, comme je vous l'ai dit, ça évoluait trop vite dans ma tête et j'arrivais pas quoi. C'était très compliqué pour moi de faire des vidéos dans cette période, et les seules que j'ai essayé de faire, finalement, j'en étais pas satisfaite. Tout ça pour dire que voilà, c'était complètement imprévu, mais j'ai déménagé et c'était le déménagement le plus difficile et le plus fatigant et le plus stressant que j'ai vécu de ma vie. En fait, c'est surtout à cause du boulot qu'on avait à côté, parce que si ça avait été un déménagement anticipé, j'aurais organisé ma vie professionnelle en fonction de ça, j'aurais évité d'avoir des deadlines de clients qui tombent en même temps que le déménagement, j'aurais fait en sorte en fait de pouvoir séparer un peu, de limite de prendre peut-être 2 semaines de vacances pour pouvoir déménager tranquillement. Là, le problème, c'est que j'ai pas du tout pu anticiper ça, et c'est tombé vraiment le mois où mon copain comme moi, on était déjà complètement sous l'eau niveau travail. Et du coup, c'était juste ingérable en fait, ça a été vraiment hyper compliqué, et surtout qu'on a enchaîné vraiment mais une série de galères. On a eu un accrochage avec l'ami qui m'aidait à déménager, mon copain a explosé un de ses pneus dans un e-pool à minuit un soir où on rentrait justement après le déménagement. Et vraiment, on a enchaîné plein de galères de cet ordre là, donc évidemment ça n'a pas aidé nerveusement, mais on en voit le bout. Et là en fait, aujourd'hui le 15 avril, je pense que c'est le jour qui marque vraiment la fin de cette période ultra chaotique. En fait, je crois que c'est ça qui m'a déclenché une grosse crise de déréalisation. Et je crois que la déréalisation, ça mériterait un sujet de vidéo à part entière, mais ça m'a fait beaucoup cogiter. Là, je suis rentrée chez moi, en fait, j'étais en méga déréalisation. J'étais vraiment pas bien, honnêtement, il y a encore 30 minutes, j'étais en train de faire les 100 pas dans l'appart. Alors peut-être que vous savez pas ce que c'est la déréalisation, mais c'est une sorte de trouble dissociatif, en fait. Mais celle-là, c'était une des crises de déréalisation les plus violentes que j'ai eues de ces dernières années. La manière dont ça se manifeste, là, ça a commencé, en fait, quand j'étais en ville, j'étais à Bruxelles aujourd'hui, j'étais avec des amis, et au moment
moment où je me suis retrouvée toute seule et que j'ai dû aller prendre les transports, j'ai commencé à sentir une sorte d'anxiété latente qui montait comme ça. Et plus j'étais dans les transports, plus je me sentais un peu fébrile, nerveusement, plus je me sentais anxieuse et avec un peu un sentiment d'insécurité. Et en fait, cette anxiété a commencé à me créer une sensation de déréalisation, parce que si j'ai bien compris, la déréalisation en fait c'est un peu le cerveau qui déconnecte face à une trop grosse quantité de stress. Et généralement ça peut se déclencher quand on a quelque chose qui vient déclencher un souvenir traumatique par exemple, typiquement. Moi c'est souvent dans ces conditions là que ça se manifeste. Mais là c'est vraiment tombé de nulle part. Il faisait super beau, j'étais dans les transports, tout se passait bien, je rentrais, j'ai passé une super matinée, j'ai fait du yoga ce matin avec des copines, on a pris un brunch ensemble, vraiment... Tout allait bien, et d'un seul coup, cette crise de déréalisation m'est tombée dessus, mais hyper violemment. Et en fait, je me suis dit, c'est drôle parce que ça fait plusieurs jours que je dis à toutes mes potes, je sais pas pourquoi je sens que le 15 avril, ça va être la fin de cette période difficile. Et je crois qu'en fait, à force de verbaliser ça, je crois qu'à force de le manifester comme ça, je crois que j'ai donné le signal à mon cerveau que vendredi, tu peux tout lâcher. Je sais pas si c'est vraiment ça qui s'est passé, mais je crois vraiment que mon cerveau a enregistré l'information que ce 15 avril, j'ai plus besoin d'être en mode survie en fait. Parce que j'ai vraiment beaucoup encaissé. Il se passe aussi des choses difficiles dans ma famille en ce moment, et ça pèse aussi. Et ça aussi, j'ai dû encaisser, et je vais devoir aller en Normandie bientôt pour voir un proche qui est malade. Et j'avais juste pas le temps d'y aller ces dernières semaines, donc heureusement, maintenant, je vais sûrement pouvoir aller voir ma famille. Parce que vraiment, j'ai besoin d'être là pour ma famille prochainement, et du coup, il va falloir que j'aille en Normandie, donc ça va pas non plus être très reposant, mais je suis contente de savoir que je vais pouvoir le faire bientôt. Mais bon, du coup, ça rajoute une énorme charge émotionnelle, évidemment. Et j'ai encaissé ça dernièrement, ces derniers jours, etc. Donc, en plus de tout le déménagement, en plus de tout le stress, en plus de tout le travail, en plus de le fait de ne pas m'être reposée pendant un mois et demi, ça commence à faire vraiment beaucoup. Et du coup, je crois que mon cerveau s'est juste dit, c'est bon, c'est fini, maintenant on peut lâcher la pression. Et il me fait payer un peu le contre-coup. En fait, c'est bizarre, c'est que j'ai l'impression d'avoir déjà payé le contre-coup sur le plan physique, parce que souvent quand j'ai une période de surmenage, au moment où je m'arrête, au moment où je commence à ralentir, c'est là que mon corps va partir dans tous les sens, genre je vais tomber malade, je vais avoir des douleurs sorties de nulle part, enfin des trucs complètement improbables. Le moindre déséquilibre va se manifester très très fort, mais par contre quand je suis en mode survie, quand je suis en mode il faut tenir bon, je ne ressens rien, ni émotionnellement, ni physiquement, mais c'est quand je m'arrête vraiment que je me prends le tsunami quoi. Donc j'ai l'impression que le corps il m'a déjà fait payer, parce que la semaine dernière déjà mon cycle m'a mise complètement à terre, et dès que ça a commencé à aller mieux j'ai enchaîné, j'ai été malade pendant quasiment une semaine, donc je crois que là mon corps m'a déjà fait payer le prix, et que maintenant que mon corps m'a fait payer, c'est autour de mon cerveau, de mon esprit, et ça passe par cette crise de déréalisation. Je crois qu'en fait c'est les barrières qui sont en train de céder après une période vraiment de prendre énormément sur moi et d'encaisser beaucoup. Et en fait là je crois que c'est vraiment toute l'anxiété que j'ai concentrée, que j'ai canalisée, que j'ai essayé de supporter en l'ignorant, tout ce stress en fait accumulé pendant des semaines, là il est enfin autorisé à être ressenti, à s'exprimer, à être évacué. Et je crois que la manière dont mon cerveau se protège des trop grosses doses de stress, c'est la déréalisation et la dissociation justement. Je sais pas si ça explique à 100% ce que j'ai vécu cet après-midi, parce que c'était quand même hyper violent, enfin je me rappelle, j'ai déjà eu une crise de déréalisation comme ça en prenant les transports un jour où il faisait beau aussi, donc je sais pas si j'ai un déclencheur, un genre de trigger en rapport avec cette situation, parce que c'était vraiment très similaire, et je me rappelle encore, je crois que c'était en 2015, c'était quand j'étais à la fac de Rouen, j'avais même écrit un texte, je me rappelle encore du numéro du bus que j'avais pris ce jour-là, tellement cette crise de déréalisation m'avait choquée, c'était une des plus violentes que j'ai connues, et celle d'aujourd'hui s'y apparentait énormément, c'était vraiment un contexte très similaire. Et du coup, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en descendant dans mon bus, déjà dans le bus, je faisais le trajet, je me sentais complètement dans une réalité parallèle, je reconnaissais pas ma ville, je reconnaissais pas ce que je voyais du bus. En fait, je savais où j'étais géographiquement, mais j'arrivais pas à me sentir ancrée, genre j'avais l'impression que c'était des endroits comme une représentation virtuelle de la réalité que je connaissais, vraiment une réalité parallèle. Et du coup quand je suis arrivée dans mon quartier, c'était là que c'était le plus choquant, parce que du coup je ne reconnaissais, ça m'a fait... C'est pas que je reconnaissais pas, genre visuellement je reconnaissais, je savais que j'arrivais chez moi, mais il y avait cette sensation de, on dirait une imitation de la réalité, on dirait comme quand on est dans un rêve en fait, et qu'on voit des choses connues mais qu'elles apparaissent avec un sentiment d'étrangeté très très puissant. Et cette crise de déréalisation était super violente, parce que du coup voilà, je suis arrivée dans mon quartier, j'avais ce sentiment de ne pas reconnaître, comme si c'était vraiment une reconstitution. Je suis arrivée dans la résidence où j'habite maintenant et je ne reconnaissais rien. Et après je suis entrée dans mon appartement et j'avais l'impression que j'avais jamais mis les pieds ici de ma vie, alors que ça fait déjà 2-3 semaines qu'on a emménagé, 2 semaines et demie. Donc autant vous dire que c'était hyper désagréable, hyper violent, et j'ai passé genre 15 minutes à faire les 100 pas dans l'appartement, à me dire comment est-ce que je peux retrouver un sentiment normal, comment est-ce que je peux revenir dans la réalité, comment je peux arrêter cette crise en fait.
Et honnêtement, au moment où je vous parle, cette crise n'est pas passée. J'ai toujours ce sentiment d'étrangeté. C'est pour ça qu'au moment où je parle de ça, mes yeux ils partent dans tous les sens, à gauche, à droite, parce que j'essaie encore de m'ancrer et j'y arrive pas. Ça m'a donné une sorte de prise de conscience hyper forte, en fait. Je sais pas si ça tient la route, je sais pas si c'est ça ou pas, mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir une révélation d'un seul coup, là, pendant que j'étais en train de préparer mon thé avant de commencer cette vidéo. Et je crois que c'est ça qui a fait que j'ai pas su poster les vidéos que j'avais faites, les dernières vidéos que j'avais tournées dans mon appartement où je vous parlais de mon déménagement, etc. En fait, le blocage que j'ai eu, c'est que je me sentais pas légitime de me plaindre autant d'un déménagement. J'avais l'impression que j'en faisais une montagne, alors qu'un déménagement, enfin, il n'y a rien de plus banal. Ok, c'est choquant, ok, on est déraciné, ok, on perd le lieu dans lequel on vit, mais surtout, quand c'est pas un déménagement parce que notre maison a brûlé, ou un truc choquant ou quoi, que c'est un déménagement parce qu'on a trouvé un super appart, et que c'est une nouvelle vie qui commence, et qu'on emménage en couple et tout, enfin, c'est que du positif, donc je me disais, mais pourquoi je me plains, pourquoi je manifeste autant d'anxiété, de mal-être, et de sentiments négatifs, alors que c'est un changement ultra positif. Et du coup, j'avais l'impression de me plaindre alors qu'il m'arrivait des trucs trop cool. Je parlais du choc émotionnel que ça représentait, et j'avais cette impression de me plaindre alors qu'il m'arrivait des trucs super cool, et je me disais, mais de quoi tu te plains? Enfin, genre, ça me mettait très mal à l'aise, en fait, c'est pour ça que j'ai pas su poster ces vidéos. Et du coup, maintenant, je réalise, finalement, que c'est un très bon sujet de vidéo, effectivement, de parler du choc émotionnel lié au déménagement, parce que j'ai essayé de faire des recherches dessus sur Internet, et je trouve qu'il y a très peu de contenu là-dessus. Mais, en même temps, je viens d'avoir la prise de conscience que mon expérience du déménagement n'est peut-être pas quelque chose de normal. Genre, je commence à réaliser, et cette crise de déréalisation me le confirme, je commence à réaliser qu'en fait, mon rapport au déménagement est vraiment plus difficile que ce qui devrait l'être normalement, dans le sens où c'est pas juste le fait de me sentir déracinée, c'est pas juste... Je sens qu'il y a quelque chose en plus parce que ça me déclenche toujours des déréalisations hyper violentes. Et les déréalisations, ça reste quand même des états de l'ordre des troubles dissociatifs, donc c'est quand même des choses assez fortes en fait, c'est pas anodin. Et puis là, du coup, donc, je me préparais pour faire cette vidéo, j'en ai parlé un peu à des amis en leur disant « Mais je sais pas c'est quoi qui a déclenché ma crise, je sais pas ce qui s'est passé, je comprends pas, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un truc aussi violent, j'arrive pas à me réancrer, j'arrive pas... » Enfin voilà. Et puis après, je me suis dit « Mais attends, j'ai réalisé... » pour la première fois de ma vie, que les premières fois de ma vie que j'ai déménagé, c'était quand j'étais très jeune. J'ai connu, en fait, ça a commencé avec le divorce de mes parents. Mon premier déménagement, déjà, c'était lié au divorce. Donc, je pense que pour un enfant, quand on a 10 ans, un divorce, c'est déjà assez traumatisant, surtout qu'on n'a jamais connu de déménagement avant. Donc, mon premier déménagement, c'était le divorce de mes parents. Et ensuite, avec ma mère, on a déménagé encore deux fois en l'espace de 4 ans. Donc, ça fait 3 déménagements en 4 ans. Sachant que j'étais au collège à l'époque, etc., donc j'étais très jeune. Et en fait, c'était ces 4 ans-là, ces 4 ans où on a connu 3 déménagements successifs qui ont été les premiers déménagements de ma vie, ça a été les 4 ans où j'ai vécu tous les plus gros traumas de mon enfance. Mais vraiment, les traumatismes les plus violents que j'ai connus de ma vie, c'était à cette période entre mes 9 ans et mes 12-13 ans. Et c'est à cette période que j'ai connu mes premiers déménagements. Et en fait, je suis en train de réaliser seulement maintenant que le déménagement, je crois que c'est un déclencheur, en fait, traumatique chez moi. Et j'en avais jamais pris conscience avant, en fait. Et je me suis jamais demandé pourquoi déménager, ça me créait des... Pourquoi déménager, ça me créait des troubles dissociatifs aussi violents? Pourquoi ça me créait autant d'anxiété? Pourquoi ça me mettait aussi mal? Et du coup, bah, je crois que j'ai compris, et je déteste pleurer publiquement, donc en caméra c'est encore pire, mais j'ai quand même envie de garder cette séquence parce que genre, c'est vraiment une prise de conscience importante pour moi, et en fait, je crois que j'aurais beaucoup beaucoup de choses à dire sur l'aspect traumatique, parce qu'en fait, j'ai tellement tendance à minimiser en fait tout ce que je vis, tout ce que je traverse, qu'en fait, enfin je sais pas, j'ai trop de choses à dire. En fait, on m'a enfin posé le diagnostic de trouble, enfin de PTSD, donc trouble stress post-traumatique complexe, dans le sens où j'ai eu beaucoup beaucoup de traumatismes dans mon enfance et mon adolescence, et même plus tard encore, mais vraiment énormément. Et en fait, j'ai beaucoup négligé l'impact que ça pouvait avoir sur ma vie, parce que on connaît comment la société fonctionne, il faut pas rester bloqué sur le passé, il faut aller de l'avant, il faut voir le positif, etc. J'ai beaucoup appliqué cette philosophie dans ma vie, et d'ailleurs je vais avoir quelque chose à partager avec vous bientôt qui est assez relié à ça, même si... Enfin bref, je suis désolée, cette vidéo est super déconstruite parce que, comme je l'ai dit, je suis encore en crise de déréalisation et c'est très dur de me réancrer, et donc c'est très déconstruit dans ma tête, mais du coup je crois que cette vidéo est hyper crue, mais pas crue dans le sens brutal, mais crue dans le sens
sans filtre. Genre, c'est vraiment... Là, je peux rien faker, quoi. Genre, là, je suis vraiment totalement ouverte. Ça me rend assez vulnérable. Et je sais que, du coup, j'aurai du mal à poster cette vidéo parce que... les barrières. En fait, ouais, ça paraît super bizarre. Genre, on se dit, ouais, c'est bon, j'ai déménagé. Enfin, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel là-dedans? Mais c'était une période qui m'a énormément secouée. Et en fait, là, la prise de conscience que je viens d'avoir, enfin, ça me bouleverse, en fait. Parce que je me rends compte que mon rapport au déménagement, il est pas normal, en fait. Et les vidéos que je voulais faire, elles me paraissaient bizarres. Parce qu'en fait, je sentais, au fond de moi, que... ok, c'est normal d'être un peu... enfin, d'être chamboulée par un déménagement. Mais au point d'avoir... Des retours de symptômes dissociatifs aussi violents tels que des crises et des réalisations comme ça, et j'ai ça à chaque déménagement, je me dis comment ça a pu m'échapper, comment j'ai pu passer à côté du fait que je pense que dans mon esprit, dans mon inconscient, un déménagement c'est relié d'office aux pires périodes de trauma que j'ai vécu de ma vie, et j'ai jamais fait le lien parce que en fait genre il y a un mur entre moi et mon enfance, il y a un mur entre moi et mon adolescence, et j'ai jamais pu faire ce travail là. Je suis en train d'envisager de travailler là-dessus, mais je ne l'ai jamais fait ce travail, et du coup je ne fais pas les liens et je subis des choses hyper bizarres comme ça sans chercher plus loin, et puis des fois je me prends des claques d'un coup, je me dis mais c'était gros comme ça devant mon visage et je l'ai jamais vu, quoi. Ça, c'est typique. C'est un peu chargé émotionnellement. C'était pas du tout le but de cette vidéo. Enfin, je voulais vous parler un petit peu d'office. Je pouvais pas faire une vidéo en pleine crise de déréalisation sans préciser que je suis en crise de déréalisation, mais je pensais pas que j'allais avoir une telle révélation d'un coup. Et du coup, ça donne beaucoup de sens en fait à pourquoi ce mois était aussi difficile. Après, je sais pas pourquoi celui-là était. Enfin, si. Il a pas été plus difficile que les autres déménagements, parce que comme je vous l'ai dit, j'en ai enchaîné beaucoup, et en fait les 5 déménagements que j'ai connus ces 2-3 dernières années ont tous été très violents, mais en fait il y avait tellement d'autres facteurs, comme la crise sanitaire, comme la fin de mes études, comme le début de l'entrepreneuriat. En fait ma vie a tellement été chamboulée, j'ai tellement perdu tous mes repères ces 3 dernières années, genre ma vie a changé de A à Z, il n'y a plus rien en commun avec ma vie d'avant, à part mes amitiés qui sont restées à travers les années, mais à part ça vraiment, genre il y a eu tellement de ruptures avec ma vie d'avant, en fait. Genre, il y a eu tellement, tellement de coupures comme ça. Donc, je pense que déjà, ça, c'est assez déstabilisant. Mais je crois que ce déménagement-là a été beaucoup plus dur que les autres sur l'aspect de ce qui m'a coûté en énergie physique, émotionnelle et mentale. Parce que, bah, comme je l'ai dit, c'était un mois hyper chargé en termes de travail pour moi, pour mon copain. Et du coup, ça a été vraiment très dur, en fait, ce déménagement. Ça a été très coûteux financièrement. Et là, j'ai juste qu'une envie, c'est de me reconcentrer sur mes projets, parce que du coup tous mes projets de cœur, mes projets perso sont passés à la trappe pendant un mois. J'ai dû uniquement me focaliser sur gérer ce déménagement, gérer mes projets clients, respecter mes deadlines et tenir bon. Et du coup bah j'ai complètement délaissé mon Instagram, j'ai complètement délaissé YouTube, j'ai un projet énorme en attente que je dois vous révéler bientôt, et genre c'est passé à la trappe parce que j'ai dû le repousser à avril. Il y a tellement de choses en fait, tout ce qui me tient à cœur, tout ce qui me fait vibrer, tout ce qui compte dans ma vie, genre j'ai dû le laisser de côté. J'avais plus aucune passion, plus aucun loisir, plus rien, c'était que le déménagement, le travail. Et là je vais pouvoir enfin me reconnecter à mes passions, je vais pouvoir reprendre les vidéos en plus dans un décor qui est trop chouette et qui est super lumineux, donc je suis trop contente. Et peut-être aussi commencer à faire un travail sur les traumas et tout ça. J'ai envie d'en parler en vidéo et en même temps ça me fait super peur parce que je sais pas dans quelle mesure je peux en parler, je sais pas, je me sens pas encore légitime parce que je connais pas encore assez tout ce qui va toucher au PTSD, etc. Il y a plein de ressources qui en parleront mille fois mieux que moi, mais voilà, je sais que c'est important d'en parler aussi et de détabouiser ce genre de thématique. Je sais pas ce que je vais faire, je sais pas comment je vais faire pour reconnecter à la réalité parce que juste là, ça ne revient pas, ma déréalisation ne passe pas. Donc, je vais voir ce que je peux faire pour lutter contre ça, sinon je sais pas, j'irai dormir, mais je suis pas fatiguée, donc je sais absolument pas comment je vais sortir de cet état, mais je verrai. Je sais pas ce que je vais faire de mon après-midi, peut-être que j'ai juste besoin de me reposer, mais voilà, moi comme ça, vous savez un peu ce qui s'est passé, même si c'était très flou et très, très très déconstruit comme vidéo, au moins je vous ai dit l'essentiel, j'ai déménagé, j'ai frôlé le surmenage, j'ai survécu, et c'est fini, maintenant je peux aller de l'avant, je peux reprendre mes projets, et c'est un changement, je pense, qui... En fait, j'ai encore plein de choses à partager avec vous, mais je veux pas trop charger cette vidéo, donc au moins, voilà, je vous ai dit l'essentiel. Maintenant, je me refocalise sur moi, je me refocalise sur les projets qui me tiennent à cœur, je reprends les vidéos, et j'ai trop hâte de voir ce qu'elle va m'offrir cette nouvelle vie, parce que je sens que ça va être un chapitre très important, en fait. Je sens que c'est un changement qui va avoir beaucoup d'impact,
Et même le fait de plus habiter en ville, je pense que sur ma santé mentale aussi, ça va beaucoup jouer. Donc à suivre. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez réussi à me suivre, parce que je sais pas du tout ce que ça va donner, je vais le découvrir au montage. Mais en tout cas, je crois que je vais beaucoup aimer faire des vidéos dans ce nouveau cadre. Et j'espère que ça vous plaira aussi. Je vous montrerai peut-être mon appartement à l'occasion. Mais voilà, en tout cas, je suis heureuse quand je regarde par la fenêtre. Je vois des arbres, du vert, et ça me rend super heureuse. Et cet appart est super lumineux, et j'ai une terrasse au soleil. Donc je pense que pour la déprime hivernale, ça va beaucoup m'aider. Parce que j'avais une terrasse dans mon dernier appart, et c'est pour ça en partie que j'avais déménagé. Sauf qu'en fait, elle était toujours à l'ombre. Donc autant dire que pour le côté déprime hivernale et manque de soleil, ça ne jouait pas beaucoup. Que là, je peux prendre des bains de soleil à chaque fois que le soleil se montre. Même si en Belgique, évidemment, ce n'est pas tous les jours. Mais en tout cas, j'en profite. Donc voilà. Je vous souhaite une belle journée. Vous m'avez manqué, YouTube m'a manqué, faire des vidéos m'avait manqué. Je vais être très heureuse quand je vais poster cette vidéo de vous retrouver, même si cette vidéo est très spéciale et que je me stresse toujours de poster des vidéos un peu bizarres comme ça. Mais bon, on lâche prise, on laisse un peu tomber ce perfectionnisme qui est parfois un peu contre-productif. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt et voilà, prenez soin de vous comme toujours.